Forcément déçu parce qu'on avait gagné tous les matchs. Après, c'est notre premier point extérieur depuis le début de l'année 2022, donc c'est déjà un bon point de prix. Quand on ne peut pas gagner, on essaie de ne pas perdre. C'était un match difficile parce que c'est une équipe qui était regroupée derrière, qui nous attendait pour, qui nous attendait qu'on fasse la faute pour pouvoir les exploiter. Et on a été sérieux collectivement et défensivement, donc ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis nous, en première mi-temps, on a été un peu dangereux, on a essayé. C'était difficile. En deuxième mi-temps, on a eu un peu moins d'occasions. Donc voilà, c'est un nul normal. Forcément un peu de regret, mais c'est quand même un nul. On continue d'avancer, donc c'est bien. Voilà, on a 39 points au début février. Si on a dit qu'on avait eu 39 points, on les aurait pris aussi. Peut-être pas dans cette physionomie, mais voilà, on continue d'avancer, c'est bien. Et l'équipe a bien travaillé aujourd'hui. Un peu de folie, peut-être aussi. C'est vrai qu'on avait la maîtrise du ballon. C'est vrai qu'on arrivait à les faire naviguer et tout. Après, on a peut-être un peu de mal. Le terrain était un peu sec, donc on a eu du mal à mettre un peu de vitesse. On a eu du mal à faire la différence. On l'a fait par moment. Mais après, on était en déficit devant la cage. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc voilà, on a bien travaillé quand même. Mais il a manqué peut-être un peu de folie et un peu de vitesse. Ça va arriver vite, hein. Il va falloir vite se reposer, prendre le magazine le plus d'énergie possible. Et après, on aura le temps de travailler demain et mardi pour voir comment on va faire. Mais ça va être un match compliqué, comme toujours, comme Monaco. Cette année, on a fait deux fois et nul. On est capable de leur poser des problèmes aussi. Et voilà, ça va être comme une finale, hein. Celui qui perd, il s'en va. Donc, on va essayer de faire le meilleur match possible. Mais d'abord, on va bien se reposer, emmagasiner de l'énergie pour préparer ce gros match. On avait vraiment envie de confirmer les 3 points pris à domicile contre le PSG, et donc essayer de venir prendre nos premiers points en 2022 à l'extérieur, dans un match compliqué où ils étaient super bas et ils défendaient chèrement leur peau. On sait leur situation très difficile au point comptable, donc première mi-temps, on a une ou deux situations où on peut faire mieux, je pense. Après, ça a été un match assez fermé, assez rugueux. Donc content de prendre ce point, un premier point en 2022, mais en même temps avec un petit sentiment d'amertume en se disant qu'on aurait pu faire mieux cet après-midi. Je pense un petit peu plus de mordant dans les 15-20 derniers mètres, ou être un peu plus juste, ou vouloir un petit peu plus faire mal. Après, on n'avait pas envie de se prendre un contre à l'extérieur, donc on se livrait pas non plus à 100%. Donc, je pense que ouais, un peu de fougue et de hargne dans les 30 derniers mètres. Bah, comme une finale, hein. Tout donner, pas avoir de regrets, se lâcher, et vraiment tout donner, un peu la manière dont on a abordé le match du PSG, et tout donner, être à fond tous les instants pour ne pas avoir de regrets à la fin du coup de sifflet final.